Donc moi c'est avec bacon. Et moi sans bacon. Ça a l'air bien fondu, c'est bien chaud. L'œuf ici, le fromage. Salut à tous et à toutes, c'est Twins Food. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les gars. Une dégustation de chez McDonald's, à savoir les McMuffin Egg and Cheese. On va déballer ça sans plus attendre les amis. Il y a deux sortes de McMuffin, donc il y en a un au bacon, il y en a un sans bacon. Donc on a pris les deux, hein. Donc moi c'est avec bacon. Et moi sans bacon. Oh, ça sent bon déjà. On mange le fromage du papier avant. C'est un pain spécial McMuffin avec du bacon. Voilà, tu peux voir. Un œuf, un gros œuf. Il y a une tranche de fromage, on dirait. Ouais, il y a une tranche de fromage fondu. Ça a l'air super bon. Ouais. Ça a l'air bien fondu, c'est bien chaud. L'œuf ici, le fromage, le pain qui a l'air super bon avec un peu de. C'est une graine de sésame, je sais pas. De sésame. Regardez, un peu. Voilà. Ah, ça a l'air bien croustillant et tout. Bon. Bon, sans plus attendre, santé. Santé. C'est bon, ça a l'air bon déjà au premier croc. C'est spécial quand même. Hein. Un œuf dans un burger, c'est bizarre un peu, c'est spécial, mais c'est bon, ça passe bien. Moi j'aime beaucoup pour ma part, les amis, quand vous avez une petite faim ou le matin au petit déjeuner, ça passe super bien. Ouais. On voit bien l'œuf ici qui est assez gros avec le fromage qui coule et le pain en tout cas qui fait la diff. Ouais, le pain il est bien, bien moelleux. Et le bacon il est assez présent, on sent bien. Par contre, on sent beaucoup l'œuf. Il faut aimer les œufs parce que c'est un œuf à l'intérieur, un grand œuf. Alors... Ouais, ah, sinon, petit déjeuner, ça doit être bon. Ouais, et aussi, il faut pas avoir beaucoup faim. Comme c'est dit, c'est une petite faim donc ça se mange très vite. Donc le McMuffin il vaut 2,40€. Avec le bacon et 2,30€ sans bacon. Alors, comment avez-vous trouvé ce McMuffin, l'ami? J'ai trouvé assez bon. Je mettrai une petite note de 7 sur 10. C'est assez spécial, un œuf dans un burger. Mais ça passe bien, franchement, c'est bon. Et ouais, j'ai bien aimé. Moi, pour ma part aussi, c'était super bon. Je trouve les deux passent super bien ensemble. L'œuf dans du pain avec du fromage. On sentait bien les trois. C'était très bon. Le pain qui est super bon. Et j'aime bien les œufs, donc ça passe super bien ensemble. Et donc, pour ma part. Les œufs. Et ça sera donc une note de 8 sur 10, ce qui est plutôt une bonne note pour un petit déjeuner ou une petite faim. Donc ça fait une moyenne de 7,5 sur 10 à nous deux. Donc voilà. C'est quelque chose de bon et on vous conseille de goûter si vous n'avez jamais testé. Et donc, comme on avait plus qu'une petite faim, on a voulu tester une autre nouveauté de McDo qui s'appelle le petit focaccia. Le petit focaccia. Donc on va goûter ça ensemble, les amis. Ouh. Oh. Donc il ressemble à ça, le burger. Donc c'est un steak avec une tranche de mentale fondue et une sauce comme dans les Big Mac il me semble. Et avec le pain, avec des sortes d'épices et un pain spécial aussi. Avec des trous, donc voilà la sauce qui dépasse. C'est parti. Comment est-il ce petit focaccia? Ce petit focaccia. Merci bien, donc on fait moitié-moitié pour donner chacun notre avis. On voit la sauce qui dégouline, ils n'ont pas hésité. En tout cas, ce petit focaccia, je le trouve plutôt pas mal. Un bon petit burger, qu'on sent bien les épices, ça donne un nouveau goût. Un goût différent des autres burgers et c'est plutôt bon, ça passe bien ensemble. Et la sauce qui est super bonne, le tout avec le pain, les épices, le steak, les mentales. C'est encore une fois un très bon combo trouvé par McDo. Et pour une petite faim, encore une fois, ça passe super bien. Et donc pour le prix les gars, le petit focaccia il vaut seulement 2€. Franchement ça va, 2€ pour un burger qui est plutôt bon franchement. À tester si vous avez jamais testé. Bah, moi aussi j'ai trouvé bon, on sent bien les épices. Comme il a dit en fait, c'est exactement ça les épices. C'est original, c'est différent. Voilà, original. Franchement pour une petite faim c'est bon, ça passe bien aussi. Ça apporte un autre goût les épices et on le sent vraiment bien. Ouais. Et c'est pas trop. Non c'est vraiment bon ouais. Sur ce, la dégustation est terminée, les amis. Notre faim a été un peu comblée, mais pas assez. Mais bon, allez les tester si vous le souhaitez. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Non, franchement, tester, ouais, c'est bon. Donc, allez au magasin, essayez ça un coup et vous allez voir, c'est bon. Sur ce, les amis, c'était Twins Food. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao. Ciao.